Bienvenue dans ce 100e épisode du MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. Content de te retrouver ce matin, ça fait un bout de temps que j'ai pas publié, j'ai eu quelques petits problèmes, la perso à gérer, qui ont dépassé le podcast en termes de priorité, et je t'ai déjà expliqué que la priorité c'était l'essentiel si vous voulez faire du contenu quotidien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un peu le bilan. Alors peut-être que tu as lancé un podcast récemment ou que tu as envie de le faire, si c'est le cas, écoute cet épisode, ça va t'intéresser. Si c'est pas le cas, je vais un peu te raconter l'histoire, je vais un peu te raconter comment ça a démarré cette histoire de podcast, où est-ce qu'on va et quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer aussi. Et on va commencer par ce concept du contenu quotidien qui n'est pas facile à faire, mais qui est important pour les gens qui débutent, pour les gens qui veulent avoir des résultats rapides, pour les gens qui veulent développer leur audience, ou alors simplement pour les gens qui ont peur un peu de créer du contenu ou qui voit ça comme quelque chose d'effrayant, comme quelque chose de grand, comme quelque chose qui les dépasse. Le fait d'en faire un tous les jours, en fait, ça rabaisse cette tâche-là. C'est-à-dire que la tâche n'est plus sacrée, ça la rend quotidienne, ça la rend banale, ça la rend normale, et c'est sûrement le meilleur moyen de devenir bon dans la création de contenu, de devenir bon rapidement, de s'améliorer rapidement, et de dédramatiser ça, c'est d'en faire un tous les jours. C'est pour ça que j'en parle souvent. Même si moi j'ai pas besoin en soi d'en faire un tous les jours, puisque je suis plus dans, j'ai plus peur de faire du contenu, je suis plus débutant non plus, j'ai plus non plus besoin de développer une audience rapidement. Mais si tu veux, c'est un peu pour donner l'exemple, pour montrer que moi je le fais, donc toi tu peux le faire. Même si parfois ça devient difficile, notamment quand tes priorités changent, ou alors quand t'as d'autres choses importantes qui se passent, ou alors quand t'as le mental ailleurs, parce que la création de contenu c'est avant tout une question de mental, c'est avant tout une question d'humeur. Et c'est difficile parfois de se lever le matin et d'enregistrer un épisode quand t'es pas de bonne humeur ou quand ton mental est ailleurs ou quand tu penses à autre chose, de se replonger dans ta thématique pour trouver des nouvelles choses à raconter. Donc ça c'est la première chose, c'était le contenu quotidien, c'est quelque chose que je conseille vraiment de faire quand on débute, que t'es pas obligé de faire toujours après, mais essaye peut-être de faire tes 100 premiers contenus. Voilà, c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner là-dessus, c'est tes 100 premiers contenus. Fais-les de manière quotidienne, que ce soit des vidéos, que ce soit des audios, que ce soit des articles de blog. Les 100 premiers, fais-les quotidiennement, faisant un par jour pendant 100 jours. 100 jours, c'est quoi ? 100 jours, c'est un peu plus de 3 mois. C'est pas impossible. C'est quelque chose que, il va falloir bosser un peu pendant 3 mois. Ça va être du travail, ça va être des efforts. Mais ça va payer, tu vas avoir des résultats. Même si ton audience ne devient pas énorme, même si ton business décolle pas aussi vite que tu l'avais espéré, il y a au moins une chose qui va être sûre, c'est que pour toi, la création de contenu ne sera plus quelque chose de sacré, d'exceptionnel, mais ça va devenir quelque chose d'habituel et donc de simple finalement à faire pour toi. Je veux te raconter un peu l'histoire, comment j'ai été amené à enregistrer ce MakerCast. En fait, alors si tu suis un peu, avant j'étais blogueur quand j'étais étudiant. Ensuite, j'ai arrêté mes études et j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube où je parlais de liberté. Et pendant un an et demi, j'ai fait des vidéos, pareil, presque tous les jours. Et j'ai développé une audience assez vite, on a atteint les 50 000 abonnés. Mais une audience un peu aussi qui venait de partout, parce que j'avais pas vraiment défini la thématique de ma chaîne, c'était la liberté, mais j'avais envie de parler de tout et de rien, de tout ce qui m'intéressait. Et finalement, c'est toujours ce que je fais aujourd'hui, si tu l'as remarqué, c'est-à-dire que je parle pas seulement de création de contenu, mais je m'adresse seulement aux gens qui sont vraiment dans cette même optique. Et c'est pour ça que j'ai voulu cibler ma thématique grâce au podcast. C'est pas ce que j'avais fait pour les vidéos. Pour les vidéos, j'avais vraiment un objectif d'audience qu'on a finalement atteint parce que j'ai une bonne audience. Mais ça m'a aussi apporté pas mal d'ennuis, tu vois. Il y a une ambiance sur YouTube un peu qui a la critique, qui a une ambiance un peu cynique qui, moi, est pas vraiment mon univers à moi, qui, moi, est pas vraiment ma façon de consommer le contenu des autres. Et cette ambiance-là, en fait, si t'arrives à mettre un mur, ça va aller. Par exemple, un mur, ça peut être de désactiver les commentaires. Alors beaucoup de gens ont un peu peur de le faire, mais finalement c'est la meilleure chose à faire si tu veux pas être trop soumis au jugement des autres et donc trop avoir peur de dire ce que t'as à dire. Mais sinon, je pense qu'il faut l'accepter, il faut le faire. Et YouTube est pas forcément le meilleur moyen de le faire si t'es très sensible au jugement des autres, ou alors si ton contenu risque d'être altéré par ça, ou si tu risques de pas réussir à faire vraiment le contenu que tu veux, parce que tu te retrouves à faire le contenu que les gens te demandent de faire, que la majorité te demande de faire, et c'est pas forcément cette majorité-là qui est la plus impliquée, c'est pas forcément cette majorité-là qui va
regarder toutes tes vidéos, c'est pas forcément cette majorité-là qui va acheter tes produits. Et en fait, la grosse difficulté, mais quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce qui est important, c'est pas la majorité, c'est pas le plus gros nombre, c'est les gens les plus impliqués, c'est les fameux vrais fans, c'est les gens qui t'écoutent tous les jours, qui te suivent et qui achètent tes produits. C'est ces gens-là qui te font vivre, c'est ces gens-là qui te partagent, c'est ces gens-là qui te soutiennent, c'est ces gens-là qui viennent quand t'organises des rencontres, quand t'organises des dîners. C'est ces gens-là finalement qui constituent le noyau dur de ton audience. Et aujourd'hui, il y a deux façons, je pense, de développer son audience. Il y a la façon, je veux un maximum de monde qui me connaissent. Et la façon, je veux des gens, pas forcément un maximum, mais des gens qui adorent ce que je fais, ou qui me suivent vraiment, ou qui sont vraiment impliqués, ou qui passent à l'action quand ils écoutent un de mes contenus. Et moi, en fait, j'ai vraiment shifté, c'est-à-dire qu'au début, mon objectif, c'était d'avoir un maximum d'audience, mais aussi une audience un petit peu impliquée. Et j'ai vraiment frôlé un peu le burn-out sur YouTube avec ça, et je me suis dit, voilà, maintenant mon objectif, c'est plus du tout d'avoir un maximum d'audience, c'est d'avoir une audience la plus impliquée possible. Une audience sur laquelle je peux vraiment aider jusqu'au bout, que je peux vraiment aider à changer des choses, où je peux vraiment avoir un impact dans sa vie. Et le podcast, finalement, c'est présenté comme une opportunité de le faire. Le podcast, c'était un format que j'ai toujours chéri en tant que consommateur de contenu. J'ai toujours écouté beaucoup d'audio. Et voilà, parce que le podcast existait, si tu veux, avant même YouTube. J'en écoutais déjà à l'époque. Et c'est quelque chose qui t'accompagne. C'est-à-dire que le podcast, c'est pas toi qui te donne de ton temps pour l'écouter. C'est le podcast qui t'accompagne pendant ta journée. C'est un peu comme un ami bienveillant qui se balade avec toi, qui discute avec toi. Ce que n'est pas la vidéo. Parce que la vidéo, c'est un format où tu es obligé d'être devant un écran. Et le podcast, c'est beaucoup plus personnel aussi. Et moi, j'avais pris l'habitude déjà de tutoyer mon audience et de parler à mon audience, voilà, de te parler finalement de manière très personnelle. Et donc, le podcast, je trouve, correspondait à ce que je voulais en termes d'audience, en termes d'implication de cette audience, en termes de type de discussion qu'on peut avoir avec cette audience. Format long aussi, qui est plus adapté au podcast, que j'aime aussi utiliser. Et donc pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je fasse le podcast, et dès le début, je savais que ça allait marcher. Alors, je savais que ça allait marcher pour moi. C'est-à-dire que je savais que j'allais aimer en faire, je savais que ça allait me plaire. Ensuite, j'étais pas sûr que ça marche en termes de vente, en termes de retour, en termes d'audience. Je savais pas si les gens allaient me supporter comme ça pendant 20 minutes, parfois une demi-heure, presque tous les jours. Et en fait, j'ai eu des très bons retours là-dessus, c'est-à-dire que j'ai vu que les gens non seulement me supportaient, mais beaucoup de gens aimaient ça. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'avis sur iTunes de gens qui me disaient qu'ils aimaient beaucoup ça, et ça fait plaisir parce que t'as moins le feedback direct que tu peux avoir sur YouTube avec les pouces et les commentaires, ce qui est positif parce que ça te permet de faire vraiment le contenu que tu veux, mais dans un autre sens, parfois tu te demandes s'il y a vraiment des gens qui t'écoutent, et puis parfois bah, tu rencontres les gens, ou alors ils t'envoient un message et tu te rends compte qu'en fait il y a vraiment des gens qui t'écoutent et qui t'apprécient. Et puis ça se matérialise aussi par les ventes. Alors j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais j'ai le sentiment, alors ça reste un sentiment, mais j'ai le sentiment que je fais plus de ventes, qu'un podcast fait plus de ventes qu'une vidéo. Alors tu sais, on parle souvent en marketing de taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le nombre de gens qui vont effectuer une action par rapport au nombre de gens qui vont être à qui cette action va être présentée. Par exemple, si tu mets un formulaire pour demander le mail des gens sur un site web, s'il y a 100 visiteurs sur ton site web et qu'il y a 5 personnes qui laissent leur mail, le taux de conversion est de 5%. Moi, j'aime pas cette mesure. Pourquoi j'aime pas cette mesure? Parce qu'elle tient pas compte de la qualité de l'audience qui arrive sur ton site. Ça veut dire que si sur ton site, t'as des gens qui sont arrivés totalement par hasard, pas qu'ils ont cliqué sur un lien au hasard sur Facebook, et qui arrivent sur ton site et qui, tu vois, ils vont pas du tout savoir qui t'es. Et si à côté, bah, t'as des gens qui arrivent sur ton site qui, savent qui tu es, suivent ton contenu depuis des mois, peut-être depuis des années, savent parfaitement ce que tu as à proposer, bah tu vas pas du tout avoir le même taux de conversion. Donc finalement, cette mesure-là du taux de conversion, elle est pas vraiment viable, elle est pas vraiment fiable, parce que tu peux penser qu'une page convertit très bien ou pas bien du tout, alors que ça n'aura peut-être rien à voir avec la page ou avec l'argumentaire, ça aura peut-être simplement à voir avec la relation que tu as déjà nouée au précédent avec ton audience. C'est pour ça que je mesure jamais le taux de conversion. J'ai pas vraiment d'instrument de mesure, si tu veux, c'est plus au ressenti, parce que je trouve que le taux de conversion est une mesure qui est faussée, sauf si tu fais du one shot, c'est-à-dire si ton but c'est de vendre des produits à des gens qui ne te connaissent pas. C'est-à-dire si tu fais la publicité Facebook, que tu envoies les gens directement sur une page de capture qui ne te connaissent pas, là, la mesure du taux de conversion fait sens. Mais dans le cas où tu développes une audience sur le long terme, cette mesure ne fait pas sens. Parce que s'il y a des gens qui te suivent depuis des mois, qui connaissent parfaitement ton message, bah, le jour où tu as un produit à vendre qui répond vraiment aux besoins de ces gens-là,
t'as même pas à le vendre en fait, c'est-à-dire t'as juste à le mettre sur le site, à dire voilà j'ai fait une offre, j'ai fait un produit. Tu vas le voir quand tu vas faire des promotions, bah t'as juste à dire voilà je fais une promotion, ça vous intéresse c'est là, sinon tant pis. Tu vas avoir plein de gens qui vont acheter, parce que finalement le produit tu l'auras pas vendu au moment où tu l'auras présenté, tu l'auras vendu dans tous les autres épisodes précédents, dans toutes les fois où tu auras finalement parlé de ton message aux gens. Et en fait la vente se fait de manière totalement différente, et donc tous les gens qui ont d'ailleurs peur de la vente devraient faire du contenu long terme pour une audience impliquée, parce que t'as plus besoin de vendre vraiment en fait, t'as juste besoin de convaincre les gens de ton message, t'as juste besoin de leur dire voilà c'est ça qui marche, c'est ça que je fais, c'est leur donner des conseils, les aider, et finalement les gens seront déjà convaincus, donc t'auras plus besoin de faire cet effort vraiment de vendre. Si en plus t'arrives à faire un bon contenu de vente ou une bonne page de vente, bah là ça va cartonner. Mais t'as même plus besoin finalement de faire ça si t'as réussi à nouer une vraie relation avec ton audience. Tu ne vends pas le jour où tu vends tous les jours. C'est-à-dire que dans ce podcast-là, je ferai aucun appel à l'action à la fin, il n'y aura pas de promotion, il n'y aura pas de produit, et pourtant bah, je suis en train de vendre. Parce que peut-être qu'en écoutant ce podcast, tu vas te dire ah oui c'est sympa ce truc là, ah oui je suis d'accord avec lui, ah oui ça m'a enthousiasmé, ah oui j'ai envie de faire ça. Et puis le jour où j'aurai une formation à présenter, tu vas te dire ah bah putain cette formation elle va précisément m'aider à faire ça. Donc c'est intéressant. Donc voilà pour la vente. Moi j'ai le ressenti, le sentiment que ça vend plus. Évidemment, pour être sûr de ça, il aurait fallu que je propose les mêmes produits à la même audience et en même temps, ce qui est impossible. Mais j'ai le sentiment que ça vend plus que la vidéo. Et j'ai ma petite théorie là-dessus, c'est que je pense que quand tu lances un podcast, t'as davantage de chances de l'écouter jusqu'au bout que quand tu lances une vidéo. Ça veut dire que quand tu lances une vidéo, bah t'es devant un écran déjà. Souvent t'es devant ton ordinateur, t'as plusieurs onglets qui peuvent être ouverts, donc tu vas un peu zapper, et puis surtout t'as plein de distractions, même sur la page de la vidéo, YouTube te présente plein d'autres vidéos. Donc dès que c'est un peu ennuyant ou dès que ça t'intéresse plus, hop, tu vas changer. Alors que si tu lances un podcast et que t'écoutes un podcast, bah très souvent, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens, c'est mon cas en tout cas, tu consommes peut-être les podcasts en faisant autre chose, peut-être en marchant dans la rue, peut-être en faisant du sport, peut-être en faisant la cuisine, peut-être en faisant la vaisselle, peut-être en faisant du repassage, tu vois, peut-être en conduisant. Il y a 50 000 choses qu'on peut faire en écoutant un podcast, ce qui n'est pas le cas pour une vidéo. Tu peux pas regarder une vidéo en conduisant, en tout cas c'est pas recommandé. Et je pense que du coup les gens restent plus longtemps devant. Et finalement t'as plus de temps pour faire passer ton message, t'as plus de temps pour les convaincre, t'as plus de temps pour vendre. Et c'est pour ça que je pense que même avec une audience plus petite sur un podcast, déjà t'auras une audience qui sera probablement plus fidèle. Parce que c'est pas la même audience qui regarde des vidéos que l'audience qui écoute, j'en suis convaincu. T'auras une audience qui sera plus fidèle et t'auras une audience qui aura plus de temps pour t'écouter, et donc t'auras plus de temps pour la convaincre et t'auras plus de temps pour vendre si t'as des discours de vente ou des argumentaires. Et donc c'est ma théorie pour dire que je pense que le podcast vend plus. Ça veut pas dire qu'il faut absolument faire un podcast si tu veux créer un business rapidement. Si t'as pas d'audience aujourd'hui, je le répète, c'est plus facile de développer une audience sur YouTube et même peut-être sur un blog parce que tu seras mieux référencé, que de développer une audience sur un podcast. C'est pas facile aujourd'hui de développer une audience sur un podcast. Il y a des techniques, j'en ai parlé dans la dernière formation, mais il n'y a pas de moyen raccourci, il n'y a pas de moyen facile, comme c'est le cas sur YouTube, où YouTube va t'apporter directement l'audience qui est déjà là. C'est pour ça d'ailleurs que je mets aussi mes podcasts sur YouTube, c'est parce qu'il y a pas mal de gens, je suis dans la rue là, c'est pour ça que tu entends les voitures, il y a pas mal de gens qui n'ont pas l'habitude en fait d'ouvrir l'application podcast, qui n'ont même pas parfois d'application podcast sur leur téléphone. Et simplement, par contre, ils ont l'habitude d'aller tous les jours sur YouTube. Et en fait, le fait de mettre mon podcast en audio sur YouTube, ça permet de toucher aussi ces gens-là qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes de consommation que moi, qui n'ouvrent pas l'application podcast, mais qui ouvrent l'application YouTube et qui peuvent se dire « Ah tiens, il y a Antoine qui a sorti un nouveau podcast, ça peut être intéressant. » Voilà. Donc ça, c'était mes petits conseils là-dessus. Ensuite, je voulais te parler un petit peu de mon organisation aussi. Le podcast a été une énorme délivrance au niveau de l'organisation. Ça n'a jamais été aussi facile pour moi de travailler. C'est-à-dire que, tu sais, quand j'en parle un peu à mes amis ou à ma famille, alors j'évite de trop en parler parce que c'est difficile toujours d'en parler avec des gens qui sont pas dans le même univers, mais quand j'en parle à mes amis ou ma famille de ce que je fais, souvent ils sont assez impressionnés par, je sais pas, par l'audience ou bien par le chiffre d'affaires que je peux faire avec ça. C'est vrai que j'ai le privilège de bien gagner ma vie grâce à ça et de pouvoir faire des trucs. Mais enfin tu vois, je vois ma sœur qui est en médecine, qui bosse 10 fois plus que moi, qui a un SMIC pour l'instant, parce qu'elle est étudiante toujours. Et c'est vrai que parfois tu peux te sentir un peu mal à l'aise. Mais en fait, c'est pas du tout ça ma plus grande fierté, tu vois. C'est pas du tout mon chiffre d'affaires, c'est pas du tout mon audience. Ma plus grande fierté, elle est simple, c'est de dire que je peux piloter tout ça en 2 heures par jour avec un téléphone, sans même avoir d'ordinateur. Et ça, je pense que c'est ma plus grande fierté. Parce que gagner de l'argent, c'est quelque chose qui est pas si difficile que ça.
Il y a plein de métiers où tu peux le faire, tu bosses dans la finance ou tu vois, il y a plein de métiers qui sont où il y a peu de gens finalement qui gagnent pas d'argent. Mais c'est des métiers chiants souvent, c'est des métiers où il faut beaucoup bosser, c'est des métiers où tu passes beaucoup de temps devant l'ordinateur, c'est des métiers qui sont très stressants. C'est des métiers où souvent c'est le genre de métier où les gens s'arrêtent d'un coup à 40 ans et vont lever des chèvres dans le Vercors, tu vois. C'est pas pour rien. Je pense que c'est des métiers qui sont pas forcément qui t'apportent pas forcément de la tranquillité, la paix d'esprit, je sais pas comment dire ça, mais et ce métier-là de podcasteur, c'est jamais fait un truc qui me rendait aussi tranquille. C'est-à-dire que je me prends pas la tête. Le matin, je me lève, je me dis bon allez, je vais me poser un peu, j'élabore un argumentaire, c'est quelque chose que j'adore faire. Je m'enregistre, je te parle exactement comme si j'avais une conversation avec un ami, c'est un plaisir pour moi. Et c'est tout en fait, je peux le faire avec mon téléphone. Là, je suis en train de me balader dans la rue, je suis en train d'attendre un truc, je me balade dans la rue et je te parle avec mon téléphone, c'est pas plus compliqué que ça. Et le podcast sera mis en ligne, il y a des milliers de personnes qui vont l'écouter. Et alors simplement pour faire une formation, ça prend un peu plus de temps, mais maintenant que je peux faire les formations en audio, c'est pareil, tu vois, ça prend peut-être 2 ou 3 heures de faire un plan, de trouver l'idée, tout ça. Et puis 1h30, 2 heures à enregistrer et c'est bon, t'as ta formation, tu peux faire des ventes. Tout le reste peut être automatisé, absolument tout le reste peut être automatisé, c'est-à-dire que la publication, on en a parlé dans la dernière formation, mais la publication du podcast partout peut être automatisée. La publication des formations aussi, bah j'ai un assistant qui peut le faire pour moi. Tout ce qui est mise à jour, marketing, prix, tout ça, ça peut être délégué aussi. Et finalement, alors moi je passe toujours un petit peu de temps devant un ordinateur parce que j'aime bien ça quand même, tu vois. Genre hier j'ai refait mon site pour la 18e fois, personne ne me demande de faire, c'est pas du tout nécessaire, mais c'est un truc qui me fait plaisir. Mais c'est-à-dire que vraiment je pourrais littéralement partir là en voyage juste avec mon téléphone et continuer à travailler, continuer à faire des podcasts, continuer à faire des formations. Voilà, j'ai besoin de rien d'autre. Voilà. Et mon prochain défi, c'est de pouvoir faire tout ça juste avec une Apple Watch. C'est pas encore le cas, mais ça pourrait être fait. Donc c'est ça en fait qui est important là-dedans. C'est ça que je, tu vois, mes MakerCast, ils sont pas faits simplement pour te dire voilà, tu peux créer un business sur internet et tout. On parle pas seulement de ça. On parle de, en effet, créer un business sur internet en faisant ce qui nous passionne et en le faisant sans faire ce qui nous emmerde. C'est-à-dire, tu supprimes tout ce qui t'emmerde, tu gardes tout ce qui te passionne et tu peux gagner très bien ta vie avec ça. Et ça c'est une vraie révolution. Je pense que c'est quelque chose qui a rarement été le cas. Je connais très peu de gens en fait qui font ça, c'est-à-dire qui font quasiment rien qui les emmerde, qui font que des trucs qui leur fait plaisir et qui arrivent à faire tourner un business qui marche bien avec ça. Et je pense que ça c'est rare et c'est de ça dont je suis vraiment fier. Si tu me demandes, c'est de ça dont je suis vraiment fier dans ce que j'ai pu créer. Même si le reste finalement c'est très simple, tout reste extrêmement simple. C'est pour ça que je l'enseigne, parce que c'est simple, parce que tu peux le faire aussi si tu l'as pas encore fait. Ensuite, je pouvais te parler rapidement de ma vision long terme concernant le podcast. Alors souvent on me demande, mais tu vas faire quoi après ? Et cette question m'agace, je sais pas ce que je vais faire dans 10 ans, je sais pas ce que je vais faire dans 10 jours, j'en sais rien, ça dépend de ce que j'aurais envie de faire. Mon but, ce sera toujours de garder le cap sur quelque chose qui me plaît, qui me passionne, sans me prostituer, sans faire des trucs que je déteste, tu vois, sans faire des trucs que j'aime pas, sans faire des trucs qui m'emmerdent. C'est ça mon objectif, mon cap. Aujourd'hui, c'est le podcast. Aujourd'hui, c'est ce podcast, c'est le MakerCast, c'est la création de contenu, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose dans lequel j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est un sujet sur lequel je suis toujours intarissable et je pense que ça peut durer. Je pense qu'un podcast, c'est quelque chose de plus durable qu'une chaîne YouTube. Alors, c'est aussi un ressenti, c'est-à-dire que j'ai pas de chiffres pour le prouver, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont démarré une chaîne YouTube il y a plusieurs années qui se sont arrêtés. Et qu'il y ait par contre dans les podcasts, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, quoi, qui sont tranquilles, tu vois. Patrick Béja, tu vois, des mecs qui sont là. Ils continuent, ils s'arrêtent pas. J'ai l'impression que, justement, peut-être dans ce format podcast qui est beaucoup moins stressant que le format vidéo, te permet d'être là sur la durée, d'être là sur le long terme. Et pour moi, l'optique long terme est quand même quelque chose d'assez important. Alors, je sais que ça peut faire bizarre, ça peut paraître un peu contradictoire de dire d'un côté que je sais pas ce que je vais faire dans 10 jours et de l'autre côté que le long terme est important pour moi. Mais je pense qu'il faut pas forcer le long terme. C'est-à-dire, je pense pas qu'il faut se dire dès le début, je serai là dans 10 ans, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut se laisser le choix. Et que surtout, si on améliore son quotidien, si on fait en sorte que ça devienne facile, agréable et utile, c'est comme ça qu'on peut faire du long terme. Donc moi, j'ai une optique long terme, mais sans me projeter sur le long terme. Je sais que c'est un peu bizarre. Faudrait que j'arrive à expliquer ça un peu mieux. Ensuite, dernière chose que je voulais dire, c'était merci simplement. Alors je sais pas quelque chose que je fais souvent, remercier mon audience, vraiment pas. C'est parce que déjà ça met un peu mal à l'aise. Et puis ensuite parce que je trouve ça un peu démago. Enfin tu vois, moi je préfère rester honnête et je pense pas qu'il y ait beaucoup de youtubeurs qui pensent sincèrement que c'est uniquement grâce à leur audience qu'ils en sont là.
Et donc les discours du genre merci à vous, sans vous rien ne se serait passé, ça m'agace un peu. Je pense pas que, je sais pas, un youtubeur comme Norman par exemple, je pense qu'il en est là grâce à son talent. Il en est là parce qu'il est drôle, il en est là parce qu'il est bon, il en est là parce qu'il a travaillé. Il en est pas là parce qu'il y a des gens qui l'ont suivi parce qu'ils sont gentils et par pitié, tu vois. Donc c'est un peu comme si un, je sais pas, c'est un peu comme si un conducteur de train remerciait les gens de monter dans son train. C'est-à-dire que les gens ils montent pas dans son train pour être gentils, ils montent dans son train parce qu'ils ont envie d'aller d'un point A à un point B. Et donc dans ce cas-là, t'as pas vraiment à les remercier. C'est juste, voilà, c'est plus presque les passagers qui devraient le remercier d'être là pour conduire leur train. Et donc j'ai pas l'habitude vraiment de remercier mon audience, mais comme on a l'épisode 100, je m'autorise un petit écart et je voulais te remercier de me suivre, de me soutenir. Je reçois plein de messages gentils, c'est ça qui ça me fait toujours plaisir. Les messages qui me font le plus plaisir, c'est les gens qui sont vraiment lancés ou qui ont vraiment décidé de faire quelque chose grâce à moi. J'ai récemment rencontré un abonné qui a monté un vrai business, qui aujourd'hui s'en sort super bien, et ça fait vraiment plaisir de dire que, enfin, tu vois, quelqu'un qui vient devant toi et qui dit que tu t'as changé sa vie, que tu lui as permis aujourd'hui d'être libre, d'être plus heureux, alors qu'avant, c'était pas le cas, tu te dis quand même, voilà, j'ai fait ça, tu vois, j'ai peut-être pas changé la vie de millions de personnes, tu vois, je suis pas Steve Jobs, je suis pas Elon Musk, je suis pas pasteur, tu vois, enfin, j'en sais rien, mais j'ai au moins changé la vie d'une personne, peut-être de deux, peut-être de trois, et c'est déjà énorme, ça fait plaisir. Donc voilà, merci à toi de me suivre depuis 100 épisodes, merci de me supporter pendant tout ce temps. Je vais essayer de continuer à faire du contenu intéressant, je vais essayer de trouver de nouveaux sujets aussi, d'explorer un peu d'autres horizons. Alors ce sera pas cette semaine que ce sera le mieux probablement, parce que cette semaine je suis vraiment occupé par autre chose, mais je vais revenir et je vais continuer cette aventure du podcast qui me plaît énormément, comme tu l'as compris. Et du coup, je te dis à très vite, salut.